Salut, salut, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, nous allons partager avec vous la recette des savons. Donc je fais plusieurs savons. Voilà par exemple l'image d'un savon qui a été finalisé et qui est dans le moule. Je vais partager avec vous la recette d'un savon gourmand Salut pour clarifiant. la recette de mon savon gourmand clarifiant. Donc j'aurai besoin de la solution de soude. J'ai déjà fabriqué la solution de soude. J'ai pesé avec ma balance. J'aurai besoin de l'huile de palmiste et vous voyez au fond là, du beurre de karité, du bon beurre de karité. Ensuite, j'aurai besoin du lait de chèvre. J'ai déjà mélangé du lait de chèvre, du riz et du sel de mer morte. Et enfin, j'aurai besoin de mon huile essentielle d'ylang-ylang. Donc voilà. Mélanger à ma solution de soude, ma solution d'huile et je vais mixer au même moment. Et je vais vous montrer, donc voilà le mixeur. Je vais mélanger, je vais vous montrer le résultat de pâte obtenue. Donc, à ma solution de soude, j'ajoute mon huile végétale. Voilà sa purification. Voilà sa purification qui se déroule. Vous pouvez bien tourner. Voilà mon savon. Mon mélange de riz, de lait de chèvre et de sel de mer. Je parfume avec mon huile. Donc voilà. Une fois le savon prêt, on le passe dans les moules et voilà le Savon résultat. obtenu, savon au lait de chèvre, au sel de mer, au lait de chèvre, à la poudre de riz. Vous pouvez voir les pétales de riz à l'intérieur. Ce savon est juste top pour la toilette des enfants. À l'huile essentielle d'ylang-ylang, donc c'est naturel, c'est bio, c'est saponifié à froid, c'est sucrissé, c'est très 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 ultra doux pour la peau et ça clarifie, ça donne de l'éclat au teint. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Bisous à tous.